Environ de 12 heures et hier, qui était 10 juin 2020, la police de la ville Cap-Haïtien a informé qu'il y a un groupe, il y a plusieurs groupes gangs, mêlés avec groupe gang qui agit vite, qui prend béton dans la zone Pont-Neuf, Chada 1, Chada 2, dans souci pour semer la terreur. La police qui était conscient de travail, te voulons patrouille dans la zone non pour te informer de quoi il s'agit réellement. Et là, il est sur les lieux, il y a un groupe de monde armé qui t'a investi terrain. Il t'a informé le directeur départemental là et que le directeur départemental là t'a envoyé en renfort une patrouille IDMO. Vers 1h30, donc là, c'est plus compliqué que ça. Le directeur départemental là t'a obligé relais BLTS dans souci pour le cas, il y a un renfort qui est beaucoup plus complexe, ou bien capable de répondre avec la situation, parce que il y a en pile, il y a plusieurs, donc la police est investie rien. Malheureusement, dans l'opération, il y a un policier qui est mortellement blessé, c'est Joseph Larousse, qui fait partie de la 27e promotion. Nous avons deux autres policiers qui sont blessés par balle. Et monsieur a tellement qu'il a contrôle terrain, il a désarmé un autre policier en crème et bleu qui a affecté dans les portes là. Donc nous avons des armes qui dehors plus des armes policières. Mais dans l'intervention de la police là, il a fait que il n'y a pas de contrôle policier que il a été pris, il a été kidnappé et que la police a révisé la stratégie quand il a voué un autre groupe qui est venu souterrain dans souci pour le cas joindre une policière. Malheureusement, nous n'avons pas de policière. Ce n'est que matin et nous avons quoi dans le bloc aviation. Et le policier est Joseph Laout, Jean de Dia. Et bon côté population, la police a fait intervention. Il a gagné 16 personnes qui ont été interpellés. Et bon côté bandits, la police a blessé mortellement. Et individu ça li trouvé le mort pour le moment et qu'on l'autre que la police te et kebe qui n'a garde à vue pour le moment c'était deux yon blessé mortellement yon blessé grièvement donc la police gagne contrôle monsieur Sayo dans le moment ça qui en mort là il en mort ça qui n'a garde à vue il n'a garde à vue mais la police ouvre enquête dans la question pour le cas et joint monde qui commet infraction Sayo. Les gens qui ont troublé l'ordre public, les gens qui ont des armes illégales, mais parce que dans un Chara 2, avec le groupe Agi Vite, qui est un groupe de gangs qui a opéré longtemps dans la zone, et que la police a fait tout ça qu'on est, a utilisé toute stratégie pour le SICA mettre en bas côte tout monsieur qui fait partie du groupe Agi Vite. Merci. Dans deux personnes qui ont été blessées, ont mortellement et l'autre là, grièvement blessé, c'est Jackie Love Achille, monsieur mortellement blessé, c'est Borisma Fritson, monsieur grièvement blessé. Donc monsieur n'a mis la police dans le moment, il n'a garde à vue sous contrôle de la police. Oui. Donc parallèlement, on a l'autre intervention que la police a fait dans la zone 7 Philomène, qui est liée avec Cité du Peuple, pour découvrir un cadavre sans tête que les bandits ont tué et coupé tête lui. Et la police était déposée avec la mairie, est arrivée sur les lieux et que eux-mêmes ont pris des mesures pour non seulement lever et quoi et mettre dans le lieu sûr. Donc, nous, vers 4 heures, nous avons un cadavre. La police a une enquête en question pour déterminer les gens qui ont auteur et infraction ça et pour arrêter et déférer devant la justice. À la suite de cadavres que les policiers ont découvert dans une aviation, il y a un constat au juge de paix qui était fait dans la question et que ont permis que la famille moi, mais la police levé pour suivre et finir. Combien d'interpellations qui fait? Interpellation c'est 16, nous faisons 16 interpellations et puis nous avons continué l'opération parce que la famille dit sincèrement que la police n'a pas campé. Il n'a pas campé. La preuve, tout Jalka fait, toute stratégie qu'il a utilisée pour lui mettre en bas code, tout le monde qui est coupable dans la question. Comment l'autre bois est dans le moment où il est là? Dans la zone Chada 2, Chada 1, dans la zone de l'autre bois, sont zones qui sont pratiquement sans monde.
Parce que nous connaissons que l'autre type d'opération, il y a un peu de monde qui a quitté la zone. Les bandits, au même tour, ils ont utilisé la stratégie. Nous, même la police qui a plus de stratégie, parce qu'on a utilisé la stratégie et nous avons mis en bas. Merci.